Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On est sur un chapoulpe. On va faire un jet pour un Nujinak R, ou de façon plus large pour un Érodeur R, donc c'est-à-dire sans dos neutre et sans retrait PA. On va essayer de s'approcher aussi proche qu'on peut du GPR et on mettra une rune trans pour son dos sort. Donc là, on a 40, 49 de puits. Il va nous falloir la J pour monter à 61. Ça passe. Moins 3, j'aurais peut-être pu commencer par la Vita, bon, on fera ça juste après. Ok, le crit, enfin pas le crit, l'over qui est bon. Hop, on va récupérer ça à la runinée. Et là, le moment un peu technique, ça va être l'over Vita qui passe aussi, cool. On n'a pas des tonnes de puits, mais on n'a pas un jet très dur à atteindre non plus, donc là il me faudrait un moins 10. Ah dommage, j'avais une tenta full perf sinon, mais le moins 11 qui nous a... Qui ne nous a laissé aucune chance, évidemment. L'esquive PM. Moins 14. Bah, il me reste 2 depuis. Bah écoutez les amis, voilà, j'ai. Donc le retrait PA, je n'en ai pas spécialement besoin. Si le PO passe là-dessus, ça transe direct et let's go. On continue. 41 depuis. Bon, bah. Ce qu'on peut faire, c'est double rafaud. Ok, le crit qui met bien. Moins 10. Je récupère l'over à l'appât Ok. La Vita, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher les 304. Si ça veut bien. Ouh, ça pique ça. Moins 15. Les 354. Tant pis. 48 de puits, c'est pas mal là, franchement. Faut juste que la force ne soit pas trop capricieuse. On va y aller. Hop, moins 20. L'arrêt neutre. Allez, on va mettre la ravie. Grand dommage. Il n'y a pas des tonnes de puits, hein, donc dès qu'une rune ne passe pas, c'est un peu la sauce malheureusement. Voilà, il me faudrait du crit, mais je vais pas pouvoir aller au bout, je pense. Ouais, dommage. Oh. On tente quand même la rage des fois que. Si ça tape dans le retrait PA, j'ai peut-être une micro chance d'avoir un G. Non. Tant pis. 47 de puits. Alors, overagi direct. Le crit qui met bien. La runinée, je peux aller choper le perf Vita. Pour ça, on fait. Tac. Moins 5. Moins 20. C'était peut-être un peu du grill le perf Vita, mais bon, c'est quand je peux l'avoir, en général, je m'en prive pas. Ok. Le petit overforce. Let's go. Yes. Moins 13, on n'a plus grand chose malheureusement. J'ai même un moins 3 de plus, hein. Moins 3 encore. Tac. Ok. Pas de chance, les amis. Sauf si j'ai un crit là. Dommage. 49 de puits. Moins 20. Ah, ça pique. Ça pique, le jet est pas ouf là, il y a beaucoup de choses à remonter, le tackle est très très bas, il va nous falloir de l'over en masse. Je vais essayer de mettre un tackle ici, ok ça crit, ça passe, moins 2, tac. La rafo, ok qui passe, ouf, j'en avais vraiment besoin. 17 restantes déjà. Aïe 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 les amis, pas de chance, on va mettre le tackle. Ok, en vrai si j'avais du crit, je peux m'en sortir. La rage. Non, bah écoutez, je crois que c'est mort. Tant pis. Bon, bah juste après avoir remis le PO, j'ai eu un peu de crit, j'arrive à ce G. C'est pas très très beau. Je suis à moins de force, mais c'est pour jouer sur des persos agis hein, dans l'idée. Donc, on va dire que c'est correct, j'ai quand même le full perf Vita. Je vais trans là-dessus. C'est vraiment pour. Ce sera un jet transitoire. Parce que je voudrais tester des modes PVP avec ça. Et c'est vraiment pour ça que je l'accepte. Et si je confirme ma volonté de jouer avec.
eh bien, je referai un G, en fait, tout simplement. Alors, pourquoi je vois pas ma rune trans? Peut-être parce que je ne l'ai pas craftée. Ça serait plutôt logique. Donc on va se faire une petite rune Tadosso. Hop. On va caler ça tranquillement sur notre chapoulpe. Voilà, c'est vraiment c'est un G juste pour test, quoi, que ce soit juste jouable. C'est pas hyper clean, mais bon, voilà, ça fera l'affaire à mettre sur un Ouginac, peut-être sur un SRAM aussi, si je veux un SRAM R avec ça, on verra. Et, mais c'est pour des modes expérimentaux, hein, parce que c'est pas forcément le genre d'item auquel on penserait pour un érodeur, donc peut-être que je vais, peut-être faire 3 colis avec et ça va dégager. Voilà, bah écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.